Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2009, qui est disponible encore une fois sur la plateforme OCS, qui est un film en fait réalisé par Catherine Bigelow, et ce film c'est Des mineurs. Alors, bon, Des mineurs, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, il faut savoir que c'est réalisé par Catherine Bigelow et écrit par son scénariste Marc Ball, avec qui elle travaillait pour la première fois, avec qui elle va retravailler donc sur Zero Dark Thirty et sur Détroit. Étant donné que, bon, vous le savez, hein, moi, je trouve que Catherine Bigelow, c'est une des meilleures réalisatrices, en tout cas américaines, sinon mondiales. Comme vous le savez aussi, j'ai adoré Détroit, donc normalement, je devais aimer Des mineurs. Et ben, c'est pas aussi simple que ça. En fait, bon, je trouve que, en préambule, en fait, c'est un film d'une une réalisation remarquable et époustouflante. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en fait, un sentiment d'immersion totale avec donc, les soldats irakiens, et puis en tout cas sur le conflit irakien. Tellement, en fait, la réalisation est puissante et forte. On a toujours en fait ce style en fait très caméra portée qui donne un sentiment un petit peu quasi documentaire. On a vraiment cette impression là, sauf que là je trouve que en termes de propos et en termes d'intrigue, je trouve que ça marche beaucoup moins en fait. Même si voilà, il reste des scènes vraiment d'une puissance absolue, je trouve que là, en tout cas, j'ai moins été convaincu. Ça parle de quoi justement, Des mineurs? Donc en gros, c'est on va suivre en fait un groupe, une équipe en fait de déminage qui est donc qui a pour mission en fait, qui est dépêché pour désamorcer des engins explosifs qui sont disséminés un petit peu partout sur en tout cas dans Bagdad et sur le territoire irakien. Et à l'intérieur de cette équipe là, en fait, il y a un soldat qui en tout cas le soldat en chef qui, on va dire, est un peu casse-cou, un peu trompe-la-mort, dopé par l'adrénaline en fait du combat et du déminage. Sauf que il va mettre en péril en fait la vie de sa propre vie déjà et celle de ses frères d'armes. Évidemment, c'est quelque chose qui va créer des tensions entre lui et ses deux autres coéquipiers. Voilà un petit peu pour le pitch. Alors, bah justement, en fait, moi je trouve que le principal problème, en fait, c'est qu'on a un petit peu ce côté chronique de vie, en fait, parce que ça se déroule en fait sur plusieurs jours et sur plusieurs jours avant en fait le rapatriement des soldats, enfin la fin du tour. Et du coup, je trouve que même si on a des personnages qui existent, qui sont très forts, je trouve que le problème, en fait, c'est que bah, on ne sait pas trop où ça nous emmène, où ça va, en fait. On est là un petit peu, on les suit, donc il y a vraiment une dimension un peu reportage. Sauf que, bah, en termes de fiction, je trouve que ça, on est moins, en fait. On est moins embarqué en fait. Vraiment, moi je me disais, bon, ok, ça va me parler de quoi, ça va où, etc. Et je trouve que ouais, ça marche moins. Après, comme je disais, il y a des scènes absolument incroyables, que ce soit même en termes de narration, mais en termes de la manière dont c'est réalisé, dont c'est fait, et puis surtout d'impact. Il y a une scène par exemple de sniper qui m'a beaucoup fait penser à celle de Il faut sauver le soldat Ryan, mais effectivement, là elle va plus loin en fait. Catherine Bigelow, et je trouve que ouais, c'est une scène qui est ultra forte. Il y a des scènes, toutes les scènes de déminage sont d'une réalisation mais opératique et dingue. Et il y a quand même des gros points forts dans ce film là le casting, hein, parce qu'on a Jeremy Renner, Anthony Mackie, et puis il y a aussi des seconds rôles hyper cool, hein, parce qu'on a Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse qui sont top. Il y a quand même une impression en fait de film un peu de bonhomme, même s'il y a la présence féminine d'Evangeline Lilly, mais il y a quand même un côté film de bonhomme, alors que c'est réalisé quand même par une nana, quoi. Donc c'est assez drôle en fait de voir ce contraste là et qui fonctionne très bien, parce que on y croit et on est plongé. Enfin franchement, il y a vraiment une qualité dans le détail, dans la reconstitution, on y croit vraiment, quoi.
mais je trouve que ça va pas hyper loin et dans le propos, moi j'ai un peu de mal à cerner en fait ce qu'elle veut raconter en fait à travers ce film là quoi. Si ce n'est en fait que la guerre en Irak bah, c'est difficile, que c'est perturbant, c'est psychologiquement dur, qu'il y a une menace omniprésente à chaque fois, que les soldats en fait craignent pour leur vie à chaque instant. Ok, mais ça en fait dans tous les films de guerre. On a ça quoi, donc je trouve que ça va pas hyper loin et c'est un petit peu dommage parce que au niveau du packaging c'est quand même assez dingue. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Moi je lui mets la note de 6,5 sur 10 parce que ça reste quand même du bon spectacle, mais qui va pas hyper loin. Voilà en tout cas pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour un nouveau film. Au revoir.